quoi ressemble-t-il? À une montagne. Une montagne. Y a-t-il de la neige sur cette montagne? Non, il y a plein d'oiseaux, de papillons, de fleurs. De toutes les couleurs. Quelle couleur vois-tu? Jaune, rouge, blanche. Tu es toute seule dans cet endroit? Il y a qui d'autre? Plein d'enfants. Il y a des enfants. Est-ce que tu peux regarder tes pieds, s'il te plaît? Est-ce que tu vois tes pieds? Oui. Est-ce que tu portes des chaussures? Non, je suis pieds nus. Tu es pieds nus. De quelle couleur est ta peau? Suis toute bronzée. Est-ce que tu pourrais me décrire si tu portes des vêtements ou autre chose? Un short, une chemise. Elle est de quelle couleur cette chemise? Et le short, tu arrives à voir la couleur ou non? Il est tout sale. Il est tout sale. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Je sais pas. Est-ce que tu pourrais me décrire tes cheveux? Est-ce qu'ils sont courts? Est-ce qu'ils sont longs? Ils sont frisés. D'accord. Et la couleur? Ils sont sales. Ils sont sales? Ils sont plutôt clair ou foncé, ses cheveux, Je sais pas. tu sais pas. Ok. Ces enfants sont toujours autour de toi. Des enfants que tu as vus tout à l'heure. On fait des bouquets. Vous faites des bouquets. Ce sont des amis à toi. Ce sont des enfants que tu connais. Non, mais on fait des gros bouquets. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites les bouquets? Est-ce que c'est pour quelqu'un? C'est pour les offrir à notre maman. Oh, c'est magnifique ça. Est-ce que ta maison est loin de cet endroit où tu es? Non. Non. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il se passe? Explique-moi. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Bouquet, il est pas assez gros. Pourquoi il n'est pas assez gros, ton bouquet? Parce qu'il n'y a plus assez de fleurs. Dans la montagne? Oui. Oh. Il n'y a plus de fleurs dans la montagne? Il n'y en a plus assez. Oh. Et ça te rend triste? Oui, parce que j'ai pas beaucoup de fleurs à offrir à ma maman. D'accord. Et tu penses qu'elle sera pas heureuse d'avoir ce joli bouquet déjà? Si, mais plus il y aura plus assez de fleurs pour tous les enfants. Est-ce que tu veux qu'on aille offrir ces fleurs à ta maman maintenant? Oui. On y va, tu m'emmènes? Je te suis, je te guide et tu me dis ce que tu vois. Dis-moi quand tu vois ta maman, quand elle est en face de toi. Tu y es? Il y a plein de routes. Ah, d'accord. Prends ton temps. Y a plein de petits virages dans la montagne. Ah. T'habites donc dans la montagne? Ta maison, elle est dans la montagne? Derrière la montagne. Derrière la montagne, d'accord. C'est une montagne où il n'y a pas de montagne. C'est comme un volcan qu'il faut que je contourne. Donc il y a un peu de route à faire pour rentrer à la maison alors. C'est ça? D'accord. Tu es tout seul? Non. Tu es avec des amis à toi? D'autres enfants? Non. Non. Avec qui es-tu? Avec des papillons. Oh. Ils sont de quelle couleur ces papillons? Si tu pouvais me les décrire. Bleu. Waouh, ça doit être magnifique.
C'est eux qui me montrent le chemin. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce qu'il y a des arbres? Non. Il y a des plantes. Non, il y a des fleurs. Que des fleurs. Tu es parti loin de la maison, dis donc. Pourquoi aller chercher les fleurs? Il n'y en a pas à côté de ta maison des fleurs? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. T'as dû aller très loin pour aller les chercher. Je voulais chercher des fleurs jaunes. Parce que c'est celles qui sentent le plus bon. Ta maman aime les fleurs jaunes? Non. Non? Moi, j'aime leur odeur. Et elle, non, elle n'aime pas cette odeur. Je sais pas. Tu sais pas. Tu veux juste lui faire un cadeau? C'est ça. Elle aime les fleurs jaunes parce que ça fane pas vite. Ah, il y a un côté pratique alors. Parce qu'on n'arrache pas les fleurs si ça tient pas longtemps, sinon on abîme la nature. D'accord. Et tu es arrivé dans ta maison? Ou près de ta maison? Elle est bizarre, ma maison. Elle est comment? Elle a pas de toit. D'accord. Elle Elle a... a pas de mur. Ah. Comment tu pourrais la décrire alors? Pour que je comprenne comment elle est, ta maison. C'est une maison qui est comme un terrier de lapin. C'est dans la terre? Non. Comme une petite grotte? Non. C'est une maison qui est cachée dans une grande fleur. Dans une grande fleur? Ça doit être merveilleux. Ta maman est avec toi? Non, elle prépare à manger. Est-ce que tu as envie d'aller lui offrir les fleurs que tu as ramassées pour elle? Est-ce que tu veux y aller maintenant ou est-ce que tu préfères attendre? D'abord que je trouve un vase. Alors vas-y. Regarde dans cet endroit où est-ce que tu peux trouver un vase. Et dis-moi quand tu l'as trouvé. Je vais mettre mes fleurs dans une coquille d'escargot. Ah, bah c'est une très bonne idée ça. C'est prêt pour que tu ailles lui offrir alors maintenant? Tu préfères attendre encore un petit peu pour lui faire la surprise? Il faut que je trouve de l'eau. Ah, tu n'as pas d'eau. Alors va chercher de l'eau. Où est-ce que tu vas chercher l'eau? À côté de ta maison. Vas-y, alors appelle la pluie. J'aime la pluie. Pourquoi tu aimes la pluie? Parce que quand il pleut, ça fait sortir l'odeur des fleurs. Il y a d'autres raisons? Quand il pleut, on se cache pour ne pas être mouillé. Vous vous cachez où? Dans la côte? Est-ce que tu as assez d'eau dans ton vase maintenant? Oui. Est-ce que tu voudrais aller offrir ces fleurs maintenant à ta maman? Ben vas-y alors. Et dis-moi ce qu'il se passe. Il y a du vent. Oui. Je sens plein de vent comme la tempête qui se lève. D'accord. Tu es avec maman? Non. Où est-elle? Tout devant? Tout devant où ça? Elle cherche à manger. Que cherche-t-elle exactement? J'aime les poireaux. Elle cherche les poireaux. C'est mon repas préféré. D'accord. Donc elle veut te faire plaisir en fait. Hein? C'est ça. Elle t'aime, dis donc. Oui. Tu veux aller la rejoindre pour lui offrir ses fleurs? Vas-y. Va la rejoindre. Et dis-moi lorsque tu es avec elle. Je suis là. D'accord. Tu veux lui offrir les fleurs maintenant? Je peux pas. Pourquoi? Elle a pas de main. Elle a pas de main?
Oh. Est-ce que tu pourrais me la décrire physiquement? À quoi elle ressemble? Des longs cheveux, Oui. tout frisé. Oui. Et elle est assise sur ses cheveux. Elle a les cheveux très longs alors. Oui. Elle est bronzée aussi, comme toi. Elle n'a pas de visage. Oh. Elle n'a pas de bras. Elle est transparente. Je la vois pas, je la sens. D'accord. Je la sens quand elle me parle avec son souffle. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi elle est transparente? Est-ce qu'elle vient uniquement de temps en temps te voir? Elle vient jamais te voir. C'est toi Non. qui vas la voir? Quand je dois lui offrir des fleurs. Pourquoi tu dois lui offrir des fleurs? Pour qu'elle ne m'oublie pas. Elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle nourrisse tous les enfants. Tous les enfants qui sont près de toi, dans Tous les... les enfants partout. partout dans l'univers, partout sur la terre, dans quel partout? La montagne. Partout sur la montagne. Elle a trop de travail. Elle doit chercher à manger pour nourrir tout Et ses enfants, ce sont tous ses enfants à elle? monde. Je les connais pas. Est-ce que ce sont tous ses enfants à elle? Tous ces Je enfants qui sais sont pas. dans la montagne. Je sais pas. Est-ce que tu penses que tu as des frères ou des sœurs dans cet endroit? J'en ai plein. D'accord. Donc tous ces enfants, ce sont en quelque sorte tes frères et tes sœurs. Et vous avez tous la même mère, c'est bien ça? Ou c'est Oui. autre chose? Oui. D'accord. Est-ce que tu saurais me dire combien vous êtes d'enfants sur cette montagne? Y a autant d'enfants que de fleurs. D'accord, vous êtes très très nombreux alors. Est-ce qu'il y a des filles et des garçons? Non. Non. C'est que des filles? Oui. Il n'y a que des filles. Donc tu es une petite fille, en fait. D'accord. J'ai froid. Oui. Y a trop de vent. D'accord. Trouve un endroit pour te couvrir du vent. Tu y es? Est-ce que tu pourrais aller à un jour important de cette vie maintenant? Un jour important. Ce qu'il se passe. Là où le vent souffle, D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi le vent souffle fort comme ça? pour amener la pluie. À quoi ça sert d'amener la pluie? Pour arroser les fleurs. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai froid. D'accord. Trouve un endroit pour te couvrir. Tu y es? Tu as trouvé un endroit pour te mettre à l'abri? C'est le vent qui m'y amène. Oh. Est-ce que tu peux me décrire cet endroit où il t'amène? C'est le fond de l'eau. Le fond de l'eau. Oui. D'accord. Pourquoi il t'emmène dans le fond de l'eau? Parce que c'est l'endroit où on est protégé. Est-ce que tu es capable de respirer dans l'eau? Oui. Tu es dans l'eau là? Dans le fond de l'eau? Oui. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu as froid? J'ai froid. Oui. Imagine une couverture chauffante autour de toi.
Imagine cette couverture autour de toi. Elle te protège, elle te réchauffe. Imagine cette couverture autour de toi. Elle te protège, elle te réchauffe. Est-ce que ça va mieux maintenant? Elle te réchauffe maintenant. Elle te réchauffe maintenant. Tout va bien. Pourrais-tu me décrire maintenant cet endroit où tu te trouves au fond de l'eau? Est-ce que tu es toute seule ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a plein Il y a des vers de terre dans le fond de l'eau? Oui. Qu'est-ce qu'ils font là, ces vers de terre? Est-ce que tu saurais me dire? Il rentre dans ma peau. Ils rentrent dans ta peau? Interdis-leur de rentrer dans ta peau. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils s'en vont? En goutte d'eau. D'accord. Mes fleurs sont arrosées avec l'eau qui sort de mes mains. Les vers de terre sont partis. Oui, je les ai plantés. Est-ce que tu peux me décrire cet endroit où tu te trouves là maintenant? Es-tu toujours au fond de l'eau? Ou est-ce un autre endroit? Comment tu te sens? Je suis de l'eau. Tu es de l'eau? Tu es devenu l'eau? Je suis mouillée partout. Tu as encore ton corps? Non. Tu n'as plus de corps? Est-ce que toutes ces petites filles dans ce monde deviennent transparentes au bout d'un moment? Ou est-ce que c'est uniquement toi et ta maman? J'ai plus de corps. Oui. Est-ce que c'est pareil pour les autres enfants dans ce monde? Dans cet endroit? Je sais pas. Tu sais pas. J'ai plus de corps. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as plus de corps maintenant? Je sens plus mon corps. D'accord. Je suis de l'eau. D'accord. Et je nage. Tu nages? Ça ressemble à une rivière, une mer, un océan ou quelque chose d'autre? Mes dents se transforment en eau. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Je suis tellement lourde que je suis attirée. Par quoi es-tu attirée? Le fond de l'océan. Le fond de l'océan? Observe. J'ai plus de cœur. Tu n'as plus de cœur. Mon cœur s'étouffe.
Observe la scène, 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 éloigne-toi de la scène. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe? Est-ce que tu comprends ce qu'il se passe? Je suis plus moi. Tu n'es plus toi? Qu'es-tu alors si tu n'es plus toi? Explique-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Un caillou? Pourquoi tu pleures? Je deviens dur. Tu Je deviens... suis entièrement figée. Tu ne peux plus bouger? Non. Est-ce que c'est toi qui as choisi ça? Non. Qui est-ce qui a choisi ça? L'océan. Pourquoi il a choisi ça pour toi? Je sais pas. Demande-lui. Demande-lui pourquoi il a choisi ça pour toi. Demande-lui pourquoi il a choisi de te transformer en caillou. Demande-lui. Je suis complètement figée. Tu es complètement figé? Je n'ai plus d'âme. Tu n'as perdu ton âme? Je ne suis plus moi. Où est partie ton âme? Dans l'eau. Dans l'eau? Pourquoi ton âme est partie dans l'eau? Parce qu'elle veut rester fluide, elle veut aller où elle veut. D'accord. Moi, je suis figée au fond de l'eau comme un caillou. Est-ce que tu n'es pas cette âme également? Est-ce que tu n'es pas cette âme également qui fait partie de l'eau? Suis bien dans l'eau. Oui. Tu as laissé ta matière pour revenir à la liberté. Je suis plus dans l'eau. Oui. Ce qu'il faut, c'est plus moi. Le caillou, c'était une enveloppe. Est-ce que tu sens encore que tu es enfermé dans le caillou ou est-ce que tu es Je libre? suis plus dans le caillou. D'accord. Mais le caillou, je le vois. D'accord. C'est moi. D'accord. À quoi il ressemble ce caillou? Il est comme ma main. De ma mère, il n'existe plus. Je n'ai plus de main. D'accord. Tu es libre maintenant. Je n'ai plus de pied. Est-ce que tu es complètement libre? Je n'ai plus de membres. Est-ce que tu peux me décrire comment tu te sens et comment tu te vois désormais dans cette eau, les sensations que tu as? Est-ce que tu te sens bien? Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de fleurs. Dans l'eau? Ou est-ce un autre endroit? Où es-tu maintenant? La fleur. Je suis dans la fleur. Que fais-tu dans la fleur? Je suis l'eau qui nourrit la fleur. Je suis la pluie qui nourrit la fleur. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Raconte-moi ce que tu fais. Je suis une grosse goutte d'eau. D'accord. Je suis tellement grosse que ma fleur grandit. Elle devient aussi grosse que l'univers. C'est merveilleux, ça, dis donc. Et ma fleur fait plein de fleurs.
pour donner assez de fleurs à tous les enfants. D'accord. D'accord. Est-ce que ce lieu porte un nom? Comment appelez-vous ce lieu? Le paradis? D'accord. C'est un endroit D'accord. 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 Tu aimes cet endroit? Oui. Oui. L'endroit. D'accord. 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 Pourquoi es-tu parti de cet endroit? Pour quelle raison? Quelqu'un t'a-t-il demandé de partir de cet endroit ou est-ce que c'est toi qui as décidé de partir de cet endroit? Que s'est-il passé? Pour quelle raison? D'accord. D'accord. Pourquoi il n'est pas libre, ton corps? D'accord, il t'enferme. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me montrer dans cet endroit? Pourquoi il a mal? Qu'est-ce qu'elles ont, Tani? Explique-moi. Qu'est-ce qu'elles ont, tes mains? Quelle méchanceté! De quoi me parles-tu? Tu peux tout me dire. C'est mal. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces mains? Que le mal m'a guidée. Quel mal! Qu'est-ce que tu as fait avec ces mains? J'ai fait du mal À qui? à des enfants. À des enfants? Qu'est-ce que tu leur as fait à ces enfants? Je les ai empêchés de choisir des belles fleurs pour offrir à leur maman. Et je vais perdre ce corps pour me faire pardonner D'accord. d'avoir jeté toutes ces fleurs que les enfants n'ont pas pu offrir à leur maman. Tu les as jetées, ces fleurs? Je les ai détruites. Pourquoi tu les as détruites? Pourquoi as-tu détruit ces fleurs? Quelle était ta raison? Je sais pas, mais j'ai mal. J'ai Tu... mal à mes mains. Elle te brûle ou... Ou autre chose. Elles sont attirées au fond de l'or et je les perds. Je n'en ai plus comme ma maman. Est-ce que ta maman a fait du mal aussi? Ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aurais pu faire avec tes mains? Ces choses mal? J'ai noyé. Tu as noyé quoi?
Tu as noyé qui? Tu as noyé quoi? Que s'est-il passé? Noyé des gens bien. Tu as noyé des gens bien. Qui étaient ces gens? Pour toi. C'était des fleurs. Tu as noyé des fleurs? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à noyer ces fleurs? Avais-tu une raison de faire ça? On me disait de le faire. Qui t'a dit de le faire? C'était une voix, un être avec une apparence ou autre chose? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends quelque chose? C'était une personne C'est une personne? invisible D'accord. dans sa vêtement noire. D'accord. Que t'a-t-elle dit? Pourquoi t'a-t-elle demandé de faire ça? Voulait que je devienne méchante. Est-ce qu'elle t'a promis quelque chose? Que si je l'écoutais pas, je perdais comme ma maman. Ta maman l'a écoutée ou non? Comme je voulais plus l'écouter, j'ai perdu comme ma maman ses mains. C'est à cause de lui que tu as perdu tes mains? Oui, parce que je voulais plus arracher les fleurs. C'est lui qui t'a demandé d'arracher les fleurs et de les noyer? Oui. D'accord. Et maintenant, j'ai perdu l'usage de mes mains. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il arrache les fleurs et qu'il les noie? Parce qu'il Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son but? Veut pas qu'il y ait des gens gentils comme moi sur Terre. D'accord. Il veut pas que je permette aux enfants de dire à leur maman qu'elle les aime. D'accord. Il est donc dans ce lieu où tu te trouves, c'est ça? Et il embête d'autres enfants? Tous les enfants qui l'écoutent pas comme moi ont les mains figées. Est-ce que tu sais d'où vient cet être? C'est le diable. Il veut transformer toute la planète en gens méchants. Il veut que tous les êtres vivants ne puissent plus offrir des fleurs à leur maman. Et si on ne peut plus offrir de fleurs à sa maman, il n'y a plus d'amour. Et la terre lui appartient. Il veut détruire la terre. Que veut-il faire? Il veut faire ce qu'il a fait avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Il m'a amputé de mes mains. Et il veut amputer la terre? Il m'a amputé de mes mains. Oui. Je ne peux plus offrir de fleurs, maman. D'accord. Et quel est son objectif avec la terre? D'amputer tous les enfants de leurs mains. Comme ça, on ne peut plus donner de l'amour. Et s'il n'y a plus d'amour, le monde lui appartient. Et moi, j'ai plus de mains, mais je me sens, je suis devenue comme moi. J'ai un visage transparent et j'ai plus besoin de mains parce que je transmets avec le vent et les odeurs pour donner de l'amour. Pour que le monsieur noir, il peut garder mes mains, c'est pas ça qui lui donnera de la force. Parce que maintenant, je sais faire comme ma maman. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle donne de l'amour avec du vent. Ah. Vous avez trouvé une autre solution, alors? Oui. C'est parfait. Mes mains, elles se sont transformées en gouttes de pluie qui est figée au fond de l'océan. Dans un caillou. Et chaque caillou au fond de l'océan, c'est une âme libre, comme moi, qui n'appartient plus à cet être diabolique.
Est-ce que c'est lui qui a créé ce paradis où vous êtes, toi et ta maman? Ou est-ce une autre chose? Est-ce que cet endroit lui appartient? Oui, mais il peut le garder. C'est le fond de l'océan. Il n'y a que de l'obscurité. Il fait froid. C'est les ténèbres. Mon corps Mais pas ton âme, n'est-ce pas? Mais mon âme ne lui appartient plus. Elle est devenue le souffle de ce vent qui va permettre au ciel. D'où vient cette âme? D'où vient ton âme? Montre-moi. Mon âme, c'est le vent qui est devenu ce souffle. Être diabolique. Qu'il va vouloir empêcher les enfants de cueillir ces fleurs et de les amputer de leurs mains et de leur corps pour les transformer en cailloux au fond de l'océan. Très bien. Nous allons quitter cette scène. Maintenant, nous flottons, flottons et quittons cette scène. Laissons cette scène derrière nous. Laissons cet enfant dans ce lieu, cette âme dans ce lieu. Elle trouvera la paix et ce qu'elle est supposée trouver. Nous la quittons et la laissons continuer son propre chemin. Ai-je la permission de parler au double de Caroline, s'il vous plaît, aujourd'hui? Oui. Je respecte la puissance du double parce que je sais que le double prend soin du corps de Caroline et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que le double possède toutes les données de tout ce qui est arrivé à Caroline dans cette vie et dans toutes les autres vies qu'elle a vécues. Ainsi, je respecte la puissance du double et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Ai-je la permission de poser des questions aujourd'hui? Oui. Très bien, merci beaucoup. Je sais que le double pourrait avoir montré de nombreuses vies différentes à Caroline aujourd'hui. Vous avez choisi de lui présenter cette vie dans un endroit appelé paradis, avec ses fleurs et cet homme invisible habillé de noir. Pour que Caroline puisse le voir, pourquoi avez-vous choisi de lui montrer cette vie? Quelles sont les raisons? Que doit-elle comprendre? C'est une personne bien. Vous pensez qu'elle en doutait? Oui. Elle doute de sa bienveillance? Oui. Pourquoi doute-t-elle de sa bienveillance? Quelles sont les raisons? Parce qu'elle a fait du mal. À qui a-t-elle fait du mal? À des gens. Dans cette vie ou dans d'autres vies? Les deux. Les deux. Mais elle le regrette. D'accord. Parce que c'était pas elle. C'était qui? Ou quoi? C'était cet homme noir. Il est encore là? Non, il n'est plus là. Il est parti? Il est parti. D'accord. Mais c'est cet homme noir. Quand est-ce qu'il est... Il lui a fait mal. Oui. Quand est-il parti? Depuis qu'elle a laissé ses mains au fond du caillou. Non, il n'est plus là.
Il est parti. Il est parti. Il va revenir. Non. Il est parti définitivement, c'est ça? Très bien. Quel est son nom à cet homme noir? Comment l'appelle-t-on? Le diable. Pourquoi a-t-il choisi Caroline? Quel était le but? Quel était son intérêt? Elle est forte. Il l'a choisi pour sa force? Ou il y avait d'autres raisons? Arrive à protéger. Comment elle protège? Comment elle s'y prend? Elle sait donner l'amour. D'accord. Et il choisit donc ces personnes précisément? Cet homme en noir? Il cherche à les détourner? C'est ça? Il veut pas qu'elle donne de l'amour. D'accord. Parce que c'est l'amour qui est la plus grande liberté. D'accord. La bienveillance. Oui. Il y a du partage. Oui, l'amour n'est que bienveillance. La générosité. Oui, tout à fait. Caroline a-t-elle choisi de venir s'incarner maintenant, à cette période sur la Terre? Est-ce que c'est un choix de sa part? Non. Mais elle est forte. Qui l'a envoyée, si ce n'est pas son choix? Le vent. Le vent. Le vent. Le vent, il chasse la tempête et il ramène la bienveillance. D'accord. Caroline, c'est du vent. Elle a la force du vent pour chasser les nuages de la malveillance. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Caroline ne pouvait pas s'exprimer ni parler avec des personnes extérieures. Pour quelle raison? N'avait rien à leur dire, ils étaient tous bêtes. D'accord. C'est une très bonne explication. N'avait rien à leur dire parce que ils étaient trop bêtes. D'accord. Ils savaient pas cueillir les fleurs, ils choisissaient que les racines. D'accord. Très bien. C'est une bonne explication, effectivement. À l'âge de 12 ans, Caroline est partie en Italie en vacances avec ses parents et elle a eu une insolation qui lui a généré une hospitalisation. Est-ce qu'il y avait une raison à cette Oh insolation? oui! Alors? Elle va habiter dans un pays chaud, il faut qu'elle s'habitue à la chaleur. Et là, elle a eu très chaud. D'accord. Donc c'était d'accord. C'est pour C'était ça. une blague en fait, quelque part. C'est pour ça que maintenant, elle a les mains chaudes. D'accord. Elle a les mains chaudes parce qu'elle est comme un lézard. Elle accumule la chaleur aux D'accord. extrémités D'accord. pour sa vie prochaine. Sa vie prochaine? Quelle est sa vie prochaine? Quel est le programme? Faut qu'elle aille dans les pays chauds D'accord. où il n'y a plus de pluie. D'accord. Et elle va être avec les nuages, avec son souffle de vent, D'accord. à amener la pluie, à redonner des fleurs pour redonner de l'amour aux enfants. Ce sera dans cette vie-ci ou une autre vie? Elle ira partout où il y aura de la sécheresse. Dans cette vie-ci ou dans une autre vie? Oh, je pense que vous savez. Vous savez tout. Oh, peut-être déjà dans cette vie. Ah, un début de réponse. Parce qu'il y a tellement d'endroits qui souffrent d'eau. Oui, c'est vrai. Elle va s'occuper avec le vent, amener les nuages et à fabriquer la pluie.
C'est sa mission. D'accord. C'est son souffle et son énergie. D'accord. Est-ce qu'elle l'a compris maintenant ou est-ce qu'elle a besoin encore de comprendre des choses par rapport à ceci? Elle a compris qu'il faut qu'elle aille apporter de l'eau. Est-ce que c'est suffisant pour sa mission aujourd'hui sur Terre? Ou est-ce qu'elle a encore d'autres choses à comprendre? Nous allons discuter un petit peu de l'objectif de Caroline aujourd'hui sur cette Terre maintenant. Nous en avons déjà un petit peu discuté. Avec cette insolation qu'elle a eue, elle est capable d'affronter, de supporter énormément de chaleur. Donc c'était un cadeau quelque part en fait, cette insolation. Elle va se servir de cette chaleur pour la transmettre aux autres. D'accord. Comment doit-elle transmettre cette chaleur? Y a-t-il une méthode pour qu'elle puisse le faire Avec ses mains. avec ses mains? Donc elle doit travailler avec l'énergie, c'est ça? Ou Elle autre doit chose. donner la chaleur de son corps à travers D'accord. Donc elle doit utiliser ses mains à travers le soin, comme donner des soins avec ses mains, c'est ça? mains. Elle doit donner sa chaleur. D'accord. Est-ce qu'elle doit travailler avec les plantes? Oui. Est-ce qu'elle doit plus travailler avec les plantes ou plus avec ses mains? Les plantes, c'est la vie. D'accord, donc c'est l'essentiel pour elle, c'est ça. Ok, mais elle doit quand même utiliser ses mains. D'accord. Une fleur a besoin de chaleur Oui. et d'eau, donc Caroline saura faire pousser les plantes. La chaleur, c'est de l'amour. Que s'est-il passé avec ses jambes? Elle a eu des varices et elle a dû se faire opérer de la jambe gauche. Quelle était la raison de ces problèmes de veines dans les jambes? C'était le diable qui l'a tiré au fond de l'océan. Ah, donc il était encore là à ce moment-là. D'accord. Il est parti donc après. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le bas de son dos? Elle m'a parlé d'inconfort. De quoi s'agit-il? C'est la vengeance pour tous les mal, pour tout ce qu'elle a fait de mal. Il fallait qu'elle souffre aussi avec tout ce qu'elle a fait de Qui est-ce qui lui met ce mal dans le bas du dos? mal. Le diable, parce qu'à chaque fois qu'elle avait mal au dos, c'est parce qu'elle ne voulait pas écouter ses consignes. Est-ce que c'est parti ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à cet endroit-là? N'y a plus rien parce que elle a donné son corps au diable, mais il n'aura jamais son âme. Elle a donné son corps au diable? Au fond du caillou. D'accord, mais pas dans cette vie-ci. Ça appartient à une autre vie, ça. Caroline m'a dit aussi qu'elle avait une tache sur la fesse droite qui ressemblait comme à une carte. À quoi ça correspond? C'était pour son insolation. Il fallait qu'elle soit habituée à la chaleur des rayons pour supporter son insolation. Et pourquoi ça ressemble à une carte? C'est la carte du désert. Quel désert? Là où il n'y a pas d'eau. C'est un endroit qui est sur la Terre? En Afrique. En Afrique? En Afrique, La Sahara. le Sahara. D'accord. Je pense qu'elle sera contente d'avoir cette information.
Ok, très bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on aille visiter ce qu'il se passe à l'intérieur de son corps? Car nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour la vie de Caroline aujourd'hui et son évolution physique, mentale et spirituelle. Pouvez-vous faire un scan de son corps et nous dire s'il y a un endroit qui présente un blocage ou qui n'est pas en harmonie? C'est Non. d'accord. Je vous laisse faire, je vous en prie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez scanné tout le corps de Caroline? Sa tête. Juste sa tête? Sa tête va pas. Sa tête va pas? Qu'est-ce qu'il se passe? Elle est plus bien dans ce monde. Ah, est-ce qu'il y Elle a... est triste Oui. parce qu'elle voit beaucoup d'injustice et de tristesse et de lâcheté et de méchanceté. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a possibilité de l'aider? De lui mettre des énergies qui l'aideront à affronter tout ceci? Elle a besoin d'amour. D'amour? Est-ce que vous pouvez lui envoyer de l'amour maintenant? Allez-y. Mettez de l'amour où il y a besoin dans ce corps pour aider Caroline. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le corps qui demandent à être regardé? C'est ma... Ses mains. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ses mains? s'en sert pas assez. Il y a un blocage? Ou quelque chose d'autre? Elle devrait se servir de ses mains pour faire de la bienveillance. Est-ce qu'il est possible de l'aider et de lui mettre des énergies? Elle en a plein d'énergie dans les mains. D'accord. Mais elle a peur de les utiliser parce que c'est nouveau pour elle et elle ne le sait pas. Est-ce qu'on pourrait lui retirer cette peur? Est-ce que c'est Oui. possible? Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Allez-y. Je vous laisse faire. Ça va la réconforter. Oui, je pense. Est-ce qu'elle est logée dans ce corps, cette peur? Non, elle est où? Hein? Autour d'elle? À quel endroit se situe cette peur? Sur la lune. Sur la lune? Pourquoi cette peur est sur la lune? Parce que la lune, c'est le maléfice. C'est la face obscure de la planète. C'est là. C'est le diable. C'est de là que vient cet être noir? Il habite la lune. D'accord. Sur La la lune, elle partie. n'existe pas. C'est lui qui vient tous les soirs pour nous faire peur. C'est comme une mise en scène, alors. Il a son masque sur la Son masque? lune. Quel masque? Le masque de faire croire aux gens que la lune c'est beau, mais tous les gens qui regardent la lune rentrent en contact avec la malédiction. D'accord.
Il suffit de regarder la lune pour entrer en contact avec cet être Elle maléfique. n'existe pas, la lune. C'est une illusion. Non. D'accord. C'est une projection, une Non, image. c'est pas existant. D'accord. D'où, pourquoi nous la voyons comme ça alors ici? Parce qu'on n'a pas les yeux ouverts. On est comme programmé à voir la lune, en fait. Et donc on la voit en fonction de nos croyances. La lune, c'est l'opposé du soleil. Le soleil, c'est la bienveillance. Et la lune, c'est son opposé. Faut pas regarder la lune. D'accord. Elle n'existe pas. D'accord. C'est une projection. Mmh. D'accord. C'est intéressant. Merci beaucoup pour cette information. Mmh. Avez-vous retiré cette peur? Mais elle va plus la regarder. D'accord. Elle sait où elle est cachée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans son corps qui devraient être nettoyées, purifiées, alignées? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui demandent une attention particulière? Ses jambes. Qu'est-ce qu'il se passe dans ses jambes? Il faut pas qu'elle les écoute, il faut qu'elle aille où elle a envie d'aller, elle. Quelle écoute qui? La lune. Toujours cette lune, elle revient, hein? D'accord. Donc, si il y a des choses dans ses jambes, c'est parce que ça l'empêche d'avancer finalement, c'est bien ça. D'accord. Est-ce qu'on pourrait l'aider à nettoyer tout ceci pour qu'elle puisse avancer dans la bonne direction et vous aider? Parce que le travail qu'elle fait ici vous aide vous aussi dans votre réalité. Donc si on lui donne les clés ici aujourd'hui pour aller mieux et aller dans les bonnes directions, ça vous aidera vous aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse regarder ce que vous pouvez faire pour ses jambes du coup. Je vous en prie. Je vous laisse travailler. Que faites-vous là? J'écoute son cœur battre. Hein? Vous avez terminé le travail dans les chambres? Pourquoi écoutez-vous son cœur battre? Parce qu'il est beau. Il est beau? Vous aimez voir et entendre le cœur battre? Ah oui, mais il bat mal. Ah, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la planète va mal. D'accord. Est-ce qu'on pourrait aider le cœur de Caroline à battre mieux? Est-ce que c'est possible? Elle n'y arrivera pas toute seule. Oui, est-ce que vous pouvez l'aider? Oui, elle a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez faire ce travail maintenant? Allez-y, je vous en prie. C'est terminé? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, dérèglements ou dysfonctionnements que vous détectez dans son corps? Non. Est-ce qu'il serait possible de repasser l'intégralité du corps de Caroline en revue une dernière fois afin que nous laissions tous les problèmes dans le passé et que Caroline puisse aller de l'avant?
C'est fait. C'est OK. Avez-vous un message particulier à laisser à Caroline aujourd'hui? Elle doit souffler fort avec le vent. Avec le vent. Il y a autre chose que vous aimeriez lui dire? Y a énormément de sécheresse sur la planète Terre. Oui. Les gens ont de plus en plus de mal à s'hydrater. D'accord. Et il faut amener beaucoup d'eau parce que les gens n'auront plus de fleurs à offrir à leurs parents. D'accord. C'est important d'offrir des fleurs à nos parents. C'est important d'avoir de l'eau pour que la planète puisse exister. Et que l'homme puisse vivre dessus. Et chaque fleur, et chaque plante. Hein? Malgré qu'il y ait plus d'océans partout, la planète manque d'eau. Dans ces terres. Il y a plus d'eau. D'accord. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Parce qu'il y a la pollution, parce qu'il y a la malveillance. D'accord. C'est à cause de la malveillance. C'est à cause de la lune Ah, c'est à cause de la lune. qui assèche la planète. D'accord. C'est volontaire de la part de la lune, en fait. Ou de cet être appelé le diable. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? À elle, rien que pour elle? D'accord. Vous êtes là, c'est ça? Que le vent est avec elle et tous les gens qu'elle aime. Et vous? Tout le monde aime du vent. D'accord. Du vent, des odeurs. Quand on pense qu'on est toute seule, c'est que... On n'est pas seul. Ben non, jamais. C'est une illusion. Le vent, c'est chaque âme. Comme l'eau. L'eau aussi, n'est-ce pas? Ok. Je pense qu'on a fait le tour des choses essentielles. Ai-je oublié quelque chose? Ou y a-t-il autre chose que vous aimeriez communiquer? Caroline, elle remercie. Elle remercie Et remercie la lune pour ce qu'elle lui a montré. pour ce qu'elle lui a fait. D'accord. C'est un très beau cadeau, en fait, finalement. Je pense que c'était le meilleur chemin à emprunter. D'accord.